Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 440, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, je suis un petit peu fatigué, mais ça va, les amis, on va tenir les 3 épisodes, les amis. Donc oui, hein, au cas où, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était attaqué tout simplement à notre session, cette fois-ci, de mission de combat. Oui, c'est ça. Donc, de nos missions de combat, dans lequel on avait fait, il me semble, l'épreuve extrême de feu. Je crois que c'est ça. Donc, les amis, bah, aujourd'hui, en tout cas, cette semaine, on va continuer cette session. Sachant que, au cas où, je vous précise, cette semaine, vous aurez 3 épisodes de ce Let's Play. Vous en aurez une aujourd'hui, une autre vendredi. Et enfin, le dernier, dimanche à 22h, normalement. Donc voilà. Vous êtes au courant sur ça. Du coup, on va continuer notre partie. Et on va tenter, du coup, de s'attaquer à la deuxième mission de combat. Je suis désolé si vous voyez que j'articule mal. J'ai un aft et qui est placé au pire endroit. Si elle aurait été placé à droite ou à gauche, ça va, mais il est placé pile devant et j'ai une douleur immense, donc je me fais des mains de bouche, mais ça ne fait rien pour le moment. Ça fait 2 jours que ça y est. J'espère que ça partira, mais bon, voilà, c'est pour ça que l'articulation aujourd'hui risquerait d'être un peu plus compliquée que d'habitude. Mais bon, j'avais pas le choix d'enregistrer, les amis, hein, c'est pour une question normale, j'avais pas le choix. Et donc, du coup, voilà, on avait fait la fameuse épreuve extrême de feu. Et donc, on va s'attaquer tout simplement à l'épreuve extrême de foudre. Donc, avec Urbosa, logiquement. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Urbosa. Est-ce qu'on peut faire quelques petites bricoles? Ou non. On peut rien faire, donc on va garder ça précieusement. Et du coup, voilà, on va aller directement s'attaquer à ça. Alors, épreuve extrême de foudre. On dit qu'autrefois, les anciens Sheikha avaient dompté la foudre qui tombait du ciel et l'utilisaient comme source... Excusez-moi, comme source d'énergie. Je viens de bouffer en même temps, c'est normal. Comme source d'énergie pour leurs machines. Ne vous laissez pas intimider par la foudre et éliminez les monstres. Donc, on peut voir qu'en ennemi principaux, il y a un gardien de foudre, un linel de foudre et une ombre de foudre de Ganon, évidemment, le retour des ombres de foudre, enfin, des ombres, hein, encore, tout simplement. Donc, on va s'attaquer à l'ombre de foudre de Ganon. Donc, écoutez, on y va directement, on va utiliser notre cher Urbosa. Allez, j'y vais. Et on y va, on va partir au combat directement. On ne traîne pas. Ok. Ah, j'ai une douleur, les amis. Je douille, hein. Wow, je douille. C'est une horreur. De toute façon, chez moi, demain, je vais à la pharmacie pour me placer. Enfin, pour qu'il me donne un petit truc. Boum. Ok. Éliminer les gardiens de foudre. Donc, il y en a 3 normalement. Ils me disent. Donc, on en a. Éliminer un déjà pour commencer. Voilà, un gardien de foudre est apparu sur le champ de bataille. Donc le second. Oh, je voulais esquiver. Qu'est-ce que tu fais? Ok, t'es mort. Quelle misérable erreur. Oula. Et non, t'es mort. Ah, un autre gardien de foudre est apparu. Mais normalement, lui, il est décédé. Parfait. Allez, le prochain. Et boum, 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 boum. Merci. Ah, dommage, t'as de la chance. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'as de la chance d'avoir esquivé comme ça. Parfait. Genre, ça l'a pas totalement abîmé. Merci. Bah dis donc, c'est pas, ils veulent pas. Voilà, parfait. On a vaincu les gardiens de foudre. Maintenant, il ne manquera plus que le linel et logiquement, du coup, l'ombre de foudre de Ganon. Le linel qui est apparu ici. Attention. Oula. Arrêtez-vous. Ah, on le baisse bien comme il faut. Ok, c'est pas gentil ça. Oula. Ouais.
va se calmer direct, hein. On va se calmer direct, l'inal de foudre. Alors, j'aimerais bien du coup fatal, mais malheureusement, ça ne peut pas venir. Donc, écoutez, tant pis. Hein. On va rester pour le moment sans coup fatal. Hein. Ok. Oula, attention. Oh, j'ai pas eu de chance. Bon, bah, dommage. J'ai pas eu de chance, en tout cas, sur le truc. En fait, je préfère garder, mais... Oh, comment... Parfait. C'est ce que je voulais faire au moins depuis le début. On va y arriver, hein. Ok. C'est bon, là, normalement, tu crèves. Allez, le linel de foudre. T'es mort. Oui, niveau supérieur. Ah bah, parfait. Pile au moment où on va affronter l'ombre de Ganon. Donc, ça m'arrange, l'ombre de Ganon de foudre. Donc, les amis, attention. On a du coup fatal, on va... Tout versé sur lui, hein, je vous le dis, on va pas le laisser respirer. Oh oui. Ok. Ok. Déjà, pour ça, c'est fait. Allez. On a encore du coup fatal, donc on va lui mettre dessus. Allez. Du coup fatal maintenant. Après, il nous en manquera plus qu'un dernier. Hein. Mais je pense que les amis, on peut en finir là. Je vous le dis. Si on gère, normalement on devrait en terminer. Et oui, ben voilà. Bon, l'ombre de foot de Ganon qui n'a pas été très compliqué avec cette technique là, on a bien géré. Bon, bah ben, écoute, en mode normal, c'est fait. Bon, ben l'épreuve extrême de foudre accomplie en mode normal. Avec du rubis et un peu d'XP. Oh, plein de choses sympathiques. Et un truc avec le gardien aguerri. Ok, bon, on commence à avoir des petites choses très sympathiques. Donc écoutez, ben, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup vendredi, les amis, pour l'épisode 441. Dans lequel ben, on continuera tout simplement ces fameuses missions de combat. Ou, ça dépend, s'il y a une lune de sang et si elle est au bon endroit, on fera du coup la lune de sang au bon endroit. Mais sinon, voilà quoi. Il y a une lune de sang, mais est-ce qu'elle est au bon endroit? C'est là la difficulté, on va dire. Et du coup, question. J'ai pas l'impression qu'elle est au bon endroit. Non, à mon avis, elle est tout en haut à droite, ou tout en haut à gauche. Ouais, tout en haut à droite. Ouais, bon, bah tant pis, hein. On va rester pour le moment sans. Donc, les amis, dans l'épisode prochain, on ira tout simplement s'attaquer en l'entraînement de Sidon. Donc, on ira mettre également ses armes et tout ça quand ça sera, du coup, le prochain épisode. On se retrouve, du coup, ben, comme je vous ai dit, pour l'épisode numéro 441, vendredi, hein, soyez au rendez-vous. Et du coup, ben, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.